Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, j'ai ramené Sofiane, Ilyes et Ramdan derrière la caméra. On est venu tester un bête de restaurant. Je peux filmer. Askip, c'est des burgers. Je vais pas trop vous en dire plus. On va dans la cuisine. Qualité. Cuisine. Donc aujourd'hui, on a des Berliner kebabs. C'est pas les kebabs du quartier, c'est des kebabs qui nous viennent d'Allemagne. Si vous allez voir, c'est incroyable. On a des box mystères avec plein de trucs à l'intérieur, des burgers. On a des salades, on a des desserts, tout ça. Ça va être la première fois de ma vie que je teste un Berliner kebab. Franchement, je sais pas à quoi ça ressemble, je sais pas c'est quoi le goût. On va aller voir un peu en cuisine comment ça se passe. Allez, la main, ils ont dit ça, c'est incroyable. C'est de l'huile et tout, crudité, tous les légumes, c'est frais, naturel. Il y a vraiment tout, C'est ça qui donne le goût au sandwich. C'est ça qui fait la particularité, ça c'est incroyable, préparation. Les burgers, le cheddar, franchement c'est incroyable. Regardez là, il a quand même préparé une petite bowl. Des bons légumes frais. Ça, franchement c'est magnifique. On va récupérer la bowl avec le boulgour. On va pouvoir suivre les étapes. Là quand tu regardes ça, tu vois que c'est grave coloré. Et là bien sûr, des frigos, il y a des frigos. Franchement, les portions, ils sont grave généreux. Et là, franchement, c'est le magnifique. Ça, c'est vraiment la spéciale. Ah oh ouais, c'est incroyable. Les commandes viennent d'arriver, les khayi. Donc là, dans un premier choix. Là, j'ai le Meister Berliner. Okay. Voilà. Là, j'ai le César. C'est un burger avec du poulet pané. Okay. Là, j'ai une box fort avec du poulet taille pané. Vas-y Sofiane, le premier Berliner, un dame qui ramène le deuxième. On va se poser là je pense. Tac, il y a le reste qui arrive. À peu près comme ça la famille. Hop, on va voir le reste. Et là j'ai la jupe. La meilleure pour la fin. Le meilleur pour la fin, il a dit. Impeccable. Vous voulez quoi comme boisson? Ozen melon. Ozen pastèque. C'est quoi les boissons? Tu peux nous mettre un Ozen melon, un Ozen pastèque, ouais. Et un Coca Zéro s'il te plaît. Et merci voilà, beaucoup. Bon. Impeccable. Voilà, bon appétit. Merci. On ramène les boissons. Tiens. Magnifique. Leur melon, toi. Les gars, je propose de commencer par le plus petit. T'as quel âge, Ramdan? C'est moi le plus petit. T'as quel âge? 12 ans. Ok, t'as quel âge? 37. 37. 6 ans. 6 ans, bah Ilyes c'est le plus petit. Donc Ilyes, toi t'as une méga box avec des trucs dedans, vas-y, regarde ce qu'il y a dedans et goûte. Mais prends ta fourchette. Hâte de faire le. Là, t'as la viande de kebab. Oh, il y a la viande de kebab. Ça va être incroyable. Mélange un peu dedans pour voir, il y a quoi? Ah oui, il y a du kebab en pagaille. En fait, c'est comme une poutine. Ah ouais? C'est incroyable. Ramdan, il teste les frites déjà. Monsieur frites. C'est tout est fait maison. Hein. Sofiane, dis-nous si c'est pas mal les frites. La sauce, elle est bonne, on dirait un peu de l'huître. T'as vu? Regardez la sauce qu'ils ont mis. C'est une sauce maison. Regardez la viande. Ouais, la viande elle a l'air bien juteuse et tout. Incroyable. Le burger, lui, ce gros porc là, parle un peu avec la vidéo là, au lieu de manger. Elle est incroyable la viande. Fais le décor. Non, voilà, elle est bien. Je sais pas c'est quoi. Moi, je vais voir après. Voir le burger. Vas-y, tape-moi un petit coup. Maintenant? Ouais, tape-moi. Demain, non. Ouais, demain ou après. D'abord, demain après-midi. D'abord. Attends, tu fais toujours les frites et... Dis la vérité, dis la vérité. C'est magnifique. Moi ça, la famille. Bon. Ouf. Ouf. Oui, incroyable. Alors? Rien à dire. Encore, on continue avec Sofiane. Ah non, on va pas. Sofiane, toi, t'as le truc de la vidéo, hein, regardez. Ça, c'est un grec allemand, genre. Ça, c'est pas les grecs qu'on voit au quartier. En vrai, je vais vous dire d'abord avec la prochaine.
va d'abord mettre un petit coup de fourchette. C'est quoi ça? Tu sais, j'en ai jamais mangé de ma vie, ça. C'est quoi les trucs blancs? Les solidés sont bons. T'as goûté la viande. Excellent. Mais goûte tout, parce que moi, j'ai dit les légumes, je suis pas fan. Hein. Je sais pas, ça me donne pas envie. Ah, ils ont mis même la grenade, la famille. Voilà, si tu as mangé pas. Non. Ah ouais, t'as pas un croc, c'est la merde. Alors Ilyes, c'est comment son burger à Ramadan? Il est top. Est-ce que c'est mieux qu'un grec qu'on prend en mode fast-food? Si, non, franchement, non. La viande du grec, moi je prends pas de grec. C'est mieux, frère, en fait. Et là, c'est mieux, là. C'est super bon. Ah bah les gars, ouais, j'ai testé ça. Mais c'est... Ah bah, vous tapez dans... Vas-y, tape si tu veux. Tapez. Tape le mien aussi. Tu veux pas utiliser les fourchettes? Hein? Ouais, il veut pas mettre les fourchettes, il veut mettre que les doigts. Non, mais c'est du poulet. Ouais, c'est du poulet. Alors? C'est du poulet pané, c'est super bon. Moi, je prends une fourchette, je sais pas comment. C'est là, mec. Ah, voilà, attends, c'est ma province. Ah ouais, c'est magnifique. Voilà, c'est grave. Franchement, la famille. Mais il parle même pas. Ouais, doucement. C'est incroyable. Mais ça, là, je vais vous dire la vérité. Je vais mettre un petit croc pour voir. Ça, je vais aller animer, je pense. Ça, c'est un truc qu'on pourrait aller chez notre grand-mère et nous faire un truc comme ça. En fait, c'est super fait. Ah ouais. Pourquoi j'ai pas goûté avant? Et goûte-le ton plat, ton poulet. Ton poulet, il est pas mal aussi. C'est bien caramélisé. C'est quoi ça, Ilyes? Du poulet caramélisé. C'est pas du pigeon? Non. Ah, c'est du poulet. La caille. Ah, ils sont forts. Bon, là, ils sont forts. C'est super bon. C'est archi bon, les gars. Avec le petit citron qui sert à rien. Avec Ilyes, on disait que même ceux qui n'aiment pas les légumes, vous allez aimer. Parce qu'en mode, il y a des épices. C'est grave bon. C'est-à-dire, tu prends le pain, tu mets un peu comme ça, un peu de frites. Et là. Ça, c'est ta spéciale. Normalement, tu mélanges tout, toi. Au Ramadan, plus je fais ça, après, je fais ça. On a tout éteint, les gars. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tellement c'est non, bon. Mais attends. Tellement c'est bon, tu saignes du nez. On va partir sur un deuxième tour. C'est tellement bon, il saigne du nez. On va partir. Ah oui, c'est de filmer, c'est rare. Non, t'inquiète. On va partir sur un deuxième tour, je pense. Parce que vous avez encore faim, non? Deuxième round. Il est content, les deuxièmes rounds. Il arrive. Là, ça va tester les burgers frites cheddar box. Devinez qui a pris les frites cheddar. C'est lui. C'est fou. Ah non. Lui aussi, là, la dalle. Ah, ça arrive. T'inquiète, ça arrive. Voilà, il y a le troisième burger qui est arrivé. Bah, c'est le classiqueur. Le classiqueur. Le t-shirt. Avec frites cheddar. Et la box qu'on a vue tout à l'heure. Là, j'ai la genouf. Avec du bouillon. Impeccable. Ouais. C'est parti. T'as kiffé le pain, hein? Leur pain, il est magnifique. Pain maison, il est incroyable. Franchement, j'ai goûté les gars, le kebab, le meister avec le pain. Le pain il fait la magnifique. Oh là, ça fait la dîme. C'est comme nos grands-mères. J'avais tellement vu, tellement de fois le pain comme ça, coupé comme ça, qui est dans les vidéos. Je suis sûr, est-ce que c'est vraiment bon ou pas? Bon, là, c'est une masterclass. Il y a que moi et Sven, on n'a pas eu notre truc encore. Je crois, mais c'est cheddar. Vous allez partager ensemble. Toi, arrête de faire ton radin. Partage ensemble, vous êtes des frères, vous êtes des musulmans. Surtout eux deux, ils se ressemblent. Ouais, ils se ressemblent, c'est des jumeaux. Alors les frites. Magnifique. Ça, c'est vraiment une masterclass, les gars. Masterclass. On c'est magnifique. Il va manquer que le. Comment il s'appelle déjà? Qu'est-ce que t'as pris toi? Ouais, le grec, ouais, l'original. Alors les frites cheddar, c'est comment, Ilyes? Incroyable. Il est en train de taper, ça regarde. Il a tellement choisi les meilleures frites et tout. Magnifique. Toi, Sven, il a pris le pain. Vas-y, Sven. Franchement, ça fait. En fait, ça fait quoi? Ça me mangeait quoi? Un buns. Ouais, quand on était petit, on mangeait des buns. Un buns. Ouais. Là, c'est magnifique. Ah, il va taper. T'aimes bien le chef, toi, Ilyes? T'aimes bien le chef? C'est bon, lui, il aime bien les trucs comme ça. Moi, déjà, je peux goûter, hein. Voilà, ouais. C'est grave, c'est grave bon. Avec un petit peu de goût.
Aïe aïe aïe, boulgour. Wallah, il y a un wallah. J'en ai une espagnole de boulgour, je me suis fait ça. Grave. C'est trop bon. Wallah, il est exceptionnel. Mmh. Voilà, il t'a mis une bonne sauce maison. En vrai, ce que j'aimerais bien que tu vois, c'est que tu mets ta fourchette au milieu, la bouche est parfaite. Oh là là là. Ah, franchement, venez tester. Ah, c'est ah ouais, il est fait maison. c'est du sérieux. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Ça, c'est le cannibale, je crois, il s'appelle. je te jure, c'est son nom. Ah, c'est classique. Non, c'est classique. Alors, ça dit quoi? C'est excellent. Et voilà, il est trop fort. Tu alors, l'as riné, lui. L'original, les gars, l'original, c'est du sérieux. Impeccable. Merci beaucoup, frérot. C'est quoi une aise? Franchement, on a validé. Hein. Voilà. On a validé. Je te remercie. Hein. On est validé, gros. Hein? On s'arrête pas de manger. Ouais, c'est quand il y a des bonnes choses. Faut savoir tester, faut le dire et faut inviter les gens. À venir. Je vais te laisser passer à la dégustation. Tiens, regardez-moi cette beauté, les gars. Wallah, c'est magnifique. En fait, ce qui fait la différence, c'est les légumes et la viande mélangés. C'est la première fois que je goûte ça, j'ai jamais mangé. C'est incroyable. J'ai l'impression, vous savez, quand je vais chez ma grand-mère, elle me fait des plats. Oh, voilà. C'est la même chose. C'est plus de légumes, plus de... Franchement, les gars, faut venir. Hein. Vous êtes ouverts toute la journée? Ouais. Toute la semaine, sauf le dimanche, ça fait à partir de 17h. 17h, d'accord. Après, toute la semaine, c'est à partir de 11h, tu vois, jusqu'à 23h. C'est une merveille. Moi, je les ai goûtés ça tout à l'heure. C'est incroyable. Ça, c'est la masse. Ici, là, faut venir tester celui-là. Celui-là, franchement. C'est trop. Ça, et franchement, même les bols, j'ai trouvé, c'était incroyable. Mais ça, c'était en fait, c'est, ça sort. Ça sort. En fait, c'est tellement le goût, c'est tellement peu commun. Ouais. Quand on goûte, on découvre vraiment un nouveau truc, en fait. Et les steaks, façon boucher, c'est incroyable. Franchement, les gars, on a validé. Toute l'équipe elle a validé. Venez, venez, venez manger. Je vous mets tout en description, tout juste en bas. Franchement, venez manger, vous n'allez pas être déçus. Bon, la famille, on arrive à la fin. On a trop, trop bien mangé. Franchement, c'était incroyable. On a tout fini. Gros merci à l'équipe du Mister Berliner qui nous ont bien accueillis. Franchement, rien à dire. Juste, ils ont fait une petite erreur et ils nous ont servi qu'un plateau. Mais quand on vient dans vos restaurants, il faut nous mettre deux ou trois plateaux parce qu'on est des gros porcs. Si vous avez des restos d'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter par Instagram. Non, on vous laisse là. Ciao, ciao.